Avant de débuter la réunion, nous allons commencer par ces prières. Parce qu'il y a deux choses que nous devons apprendre à faire dans la divine volonté. Et tout d'abord, il s'agit d'entrer dans l'acte premier de Dieu chaque jour. Généralement le matin. Donc juste pour nous rappeler cela, nous commençons par prier. Nous commençons la réunion de cette façon. Et puis, nous devons invoquer le Saint-Esprit. Et après avoir fait ça, nous avons fait ce que je crois être toujours nécessaire. Tout ce que nous faisons après, nous le faisons ou nous ne le faisons pas. Donc pour commencer, nous allons prendre la prière d'ouverture qui commence par « Viens, divine volonté ». Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, divine volonté, viens régner en moi. Par cet acte unique, je veux embrasser toute ma journée. Je veux embrasser chaque pensée, chaque parole, chaque action et chaque personne que je rencontrerai. Les choses que j'ai à faire, toutes les tâches que je dois accomplir, je veux que tout soit dans ta très sainte volonté. Je veux remettre toute ma journée dès à présent dans ta très sainte volonté, afin que si je suis distrait ou si j'oublie quelque chose, tout soit fait dans ta volonté. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit et ils seront créés, et tu renouvelleras la face de la terre. Souviens-toi de ton assemblée que tu as possédée dès l'origine. Seigneur, entends ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions. Ô Dieu qui a instruit le cœur des fidèles par la lumière de l'Esprit Saint, accorde-nous dans le même esprit d'être vraiment sages et de nous réjouir toujours de sa sainte consolation. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Bonjour les enfants. Comment allez-vous? Beaucoup de visages souriants ce matin. C'est bien. Oui, je veux l'effacer de votre visage. Y a-t-il des questions ou des choses à consolider depuis notre dernière rencontre? Quelque chose que vous voulez partager? Des commentaires? Vous savez, ces sujets que nous prenons, je ne les invente pas. Ils me sont donnés par Dieu. Parfois, ils me viennent une semaine à l'avance. Parfois, ils me viennent dans la nuit qui précède. Je ne sais jamais. Je suis juste toujours sûr que Dieu me donnera le sujet que nous sommes censés étudier. Parfois, il y a des sujets qui sont plus importants que d'autres. Il y a environ 3 semaines, nous avons parlé de la création du monde et comment le monde a été créé pour la souffrance et la mort de notre Seigneur en signe d'amour envers son Père. C'était une réunion très importante. C'est l'une des choses sur lesquelles nous reviendrons au fur et à mesure que vous progresserez dans vos connaissances et nous ferons référence à cette réunion du Sénat que nous avons eue. Aujourd'hui, c'est une autre de ces réunions. Ça va être un moment intense. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. On va essayer d'y arriver en 30 minutes, ce dont je doute sérieusement. Mais c'est un moment auquel je veux que vous prêtiez vraiment attention et que vous suiviez. Parce que ce n'est pas une chose facile à apprendre, mais vous devez l'apprendre. Et la seule façon de l'apprendre est de m'écouter ou l'enseigner. C'est comme ça que ça se passe. J'enseigne, vous retenez. Et comme nous le savons, le secret de la vie dans la divine volonté réside dans l'obtention des connaissances. Bonjour Ben, comment allez-vous? C'est une joie de vous revoir. Donc vous retenez ces connaissances et ces connaissances prennent vie en vous et forment la vie de la divine volonté en vous. C'est pourquoi il n'y a pas grand-chose à faire pour vous en dehors de rester disposé pour que la divine volonté ait son champ d'action. C'est ainsi que Louisa en parle. Votre volonté est vide, un endroit où la divine volonté peut se déployer.
Je vous demande donc de me suivre de très près ce matin, et si je vous perds, veuillez lever la main. Non pas que je veuille, mon intention n'est pas de voler trop haut au-dessus de vos têtes. Mon intention est de faire en sorte que chacun d'entre vous comprenne. Il se peut que je pose des questions à certains d'entre vous pour m'assurer que personne ne s'endorme. Je pense qu'à la fin de la journée, vous vous sentirez toujours épuisé, mais aussi, vous aurez appris quelque chose. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est de l'unicité et de la multiplicité de Dieu. Et il est important que vous connaissiez ces deux mots et que vous sachiez qu'ils se réfèrent à Dieu seul. Parce que nous avons quelque chose d'unique dans notre foi. Le précepte de base pour être chrétien, c'est la vie de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Trois personnes, un seul Dieu. Les personnes divines sont-elles unies? Je vous souffle la réponse. Sont-elles unies? Non, elles sont un. Elles sont simplement un. Nous, les humains, nous pensons en termes d'unité parce que c'est tout ce que nous connaissons. Nous savons que si nous prenons trois personnes, que nous les mettons ensemble, alors elles sont unies en conservant leurs trois individualités. Mais elles sont unies. Dans la divine volonté, il y a quelque chose de différent, cependant. Ce n'est pas une unité. Je tiens à vous affirmer dès maintenant que si vous vous souvenez simplement de cela aujourd'hui, vous aurez beaucoup appris. Il n'y a pas d'unité dans la divine volonté. En elle, l'unité n'existe pas. Cependant, il existe une chose appelée l'unicité. Et c'est un terme qui vient de moi. J'ai développé ce concept il y a longtemps. Donc il y a l'unicité dans la divine volonté, et c'est ce qu'on essaie de devenir. Il ne s'agit pas de s'unir avec, mais de devenir l'autre chose. On en a parlé assez souvent. Il n'y a qu'une chose qui nous différencie de Dieu. Savez-vous ce que c'est? Le temps. Le temps est la seule chose qui différencie Dieu de nous. Parce que ce que Dieu fait en une seule fois, en gardant tout en acte, ce que nous pouvons connaître, c'est une succession d'actes les uns après les autres. Ok, sentez les battements de votre cœur. Placez votre main pour sentir les battements de votre cœur. La raison pour laquelle je veux que vous fassiez cela est que c'est la définition parfaite d'un acte. Aujourd'hui, j'ai besoin d'une définition de ce qu'est un acte dans la divine volonté. Cet acte peut être un souffle, une pensée, mais Dieu nous a donné ce compteur rythmique dans le thorax pour nous aider à savoir. Et cela nous vient sous forme d'une dualité. Ce n'est pas seulement tom, 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 mais tom, 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 tom. Et la raison pour laquelle c'est un exemple parfait pour un acte est que c'est Dieu qui dit tom, je t'aime, et vous, en retour, vous dites tom, tom, je t'aime aussi. Tom, je t'aime. Tom, tom, je t'aime aussi. Et cela se reflète dans les battements de votre cœur comme dans votre respiration. Dieu dit, je t'aime, en vous donnant ce souffle, et vous dites, oui, je t'aime aussi, en lui rendant le souffle. Ce n'est pas seulement un phénomène naturel, ces choses ont été insérées dans notre humanité comme des outils d'enseignement. Et Dieu est constamment, son désir est de nous faire constamment savoir que nous soyons inondés, submergés par le degré surprenant d'amour qu'il a pour nous. Et donc, tout dans la nature, nous avons déjà enseigné cela, que la seule raison pour laquelle il y a un univers, la seule raison pour laquelle il y a un monde, c'est pour que nous puissions savoir qu'il existe un monde réel. Ce monde autour de nous est un monde qui est maintenu par la physique. Mais il y a un monde qui est le monde réel, et il est éternel. Et il reflète ce monde, et il est en vous. C'est lui que vous portez. Vous portez le reflet de toute la création en vous. Toute la beauté, toute la magnificence, toute l'infinité, toutes ces choses incommensurables, ces choses, vous les portez en vous. Ce sont des réalités que nous ne pouvons pas connaître directement parce que nous sommes pécheurs. Mais nous pouvons les connaître à l'extérieur et dire,
D'accord, je vois ça à l'extérieur et ça a une signification spirituelle plus profonde à l'intérieur. Nous sommes donc des créatures intérieures. Et nous vivons dans le temps. Dieu n'a pas voulu que nous vivions dans le temps. Nous devons vivre sous le régime d'une succession d'actes les uns après les autres. Savez-vous pourquoi? Parce qu'étant pécheurs, nous allons devoir souffrir. N'est-ce pas? Et Dieu nous aime tellement. Il n'a pas dit « Je vais vous placer dans l'éternité et vous allez souffrir à ce point tout le temps pour toujours. » Je vais vous placer dans le temps pendant 60 ou 70 ans et vous allez ainsi pouvoir porter votre souffrance une petite dose à la fois. Le temps est un énorme cadeau pour nous. C'est ainsi que le temps fonctionne et pourquoi il nous est donné. C'est pourquoi nous disons que notre conscience est liée au moment présent. Et nous vivons sous cette apparence de temps qui n'est pas une réalité. Ce n'est qu'une réalité apparente, car nous sommes liés au moment présent, afin de ne pas avoir à souffrir de tout ce que je vais devoir souffrir en même temps. Ainsi, le moment où la mort survient est le moment où nous sommes libérés de l'élément du temps et où nous entrons dans l'unicité de Dieu. L'unicité est un mot qui se réfère à Dieu et à Dieu seul. Tout ce que nous pouvons imaginer, ce sont des choses multiples. Il y a des multiples personnes ici. Il y a de multiples variétés de races ici. Il y a de multiples variétés de couleurs de cheveux ici. Oups. Je suis désolé. J'aurais pu dire certaines réelles, d'autres non, mais je vais m'abstenir. Et je suis très fier de toi, car... Oui, je sais, je porte la multiplicité sur ma tête, oui. Et c'est magnifique. Nous ne pouvons qu'imaginer les choses, mais nous ne pouvons pas vraiment imaginer ce que cela signifie être un en soi. Et pourtant, c'est ce que Dieu est. Dieu est un en soi. Dieu est un point unique. Il est un point unique en dehors du temps et en Dieu, toute la création existe. Et aujourd'hui, nous allons étudier la multiplicité et l'unicité. Parce que si vous lisez le chapitre 17 de l'évangile de Jean, la prière sacerdotale de Jésus, que la plupart d'entre vous connaissent et ont lu, en elle, Jésus est constamment en train de prier le Père, et à quelle intention? Qu'il soit un, comme toi et moi sommes un Père. C'est ce qu'il dit. Il ne dit pas « Je veux qu'ils soient tous unis et qu'ils vivent heureux pour toujours », parce que cela n'arrivera pas jusqu'à ce que vienne le royaume. C'est un faux espoir. Si vous pensez être unis dans la divine volonté de cette manière, alors vous vous trompez, car tant que nous porterons une nature pécheresse, il y aura toujours une ouverture à la division. Donc Dieu n'est qu'un seul acte. Il est un seul acte, éternellement en acte. Comprenez-vous cela? Quand Dieu a suscité la création, l'Écriture dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Dieu a mis hors de lui, à ce moment-là, tout ce qui existerait jamais dans le monde, depuis le début du monde jusqu'à la fin du monde. Il a tout créé en une seule fois. Il l'a fait sortir, puis l'a soumis au temps afin que nous naissions dans le temps. Et de toute éternité, Dieu nous avait en tête. Laissez-moi vous le dire. Il nous avait dans son esprit et nous connaissait individuellement comme si nous étions la seule personne qui allait jamais être créée. Je pense que ce concept n'est pas toujours bien compris par les gens. Alors mettez-le bien dans votre tête ce matin. Dieu vous aime comme si vous étiez la seule personne à avoir jamais vécu sur la surface de la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Oui? Ok. Et s'il avait un réfrigérateur, votre photo serait dessus. Mais Dieu a un réfrigérateur. Ça s'appelle le ciel. Um,
Alors il a tout suscité hors de lui. Mais il est resté un. C'était un seul acte fait et fait parfaitement, fait complètement et fait éternellement. Nous sommes juste nés dans notre tranche de temps et nous avons vécu notre temps sur terre en vivant les actes qu'il avait en réserve pour nous de toute éternité. De toute éternité, il a dit, « Je connais Suzy Mendoza, elle est mon enfant, elle est la seule que j'ai jamais connue, et je vais lui donner cette vie, je vais lui donner 10 412 actes. Et non seulement je vais lui donner ces actes, mais je veux déterminer ce qu'ils sont. Il va y avoir un battement de cœur, il va y avoir une respiration, il va y avoir l'éducation d'un enfant, il va y avoir un repas de cuisine. Et si Suzy vit cette vie parfaitement, alors elle arrivera à être au ciel avec moi. Et j'aurai été glorifié en dehors de moi-même dans la vie parfaite que Suzanne Mendoza a vécue pour moi. C'était le grand désir de Dieu qu'il mette au monde une créature et que cette créature vive la vie que Dieu avait prévue. Car rappelez-vous bien, vous ne pouvez rien entreprendre par vous-même. Tout ce que vous faites, tous les actes que vous posez sont initiés par Dieu. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, nous dit saint Paul. C'est Dieu qui veut et qui réalise l'œuvre. En d'autres termes, il est à l'origine de l'œuvre, puis il la réalise. Il est à l'origine de mes pensées de ce matin, et puis ce matin, alors que j'arrive à ce moment précis, il prononce les mots. Ce sont ces mots que j'utilise pour vous dire ce qu'il veut que vous sachiez. Et quand je dis ces mots, ils ne vont pas dans le passé. Ils restent préservés pour toujours. Les mots que je dis sont maintenant préservés pour toujours dans le passé. C'est ce qu'est le passé. Dans votre vie passée, c'est-à-dire depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, tout ce que vous avez fait dans votre vie est toujours là, toujours réellement là. Vous êtes lié à un continuum espace-temps. Un peu de physique. Vous êtes lié à un continuum espace-temps. À chaque instant du temps, vous êtes quelque part en train de faire quelque chose. Non? Et ce moment dans le temps et cette chose, quelle qu'elle soit, que vous faites à ce moment dans le temps, ils se rejoignent et sont préservés pour toujours. C'est ainsi que Dieu avait prévu que le monde soit. Comme nous l'avons déjà dit, et j'espère que vous vous en souvenez, il a créé le monde pour que Jésus puisse lui montrer combien il aimait le Père en souffrant et en mourant. Et Dieu a dit, « Eh bien, si je dois le faire avec mon fils, je vais le faire. Je vais créer d'autres fils. » Et ils seront capables de faire exactement la même chose que mon fils a fait, parce que l'humanité est l'humanité. Que ce soit votre humanité ou celle de Jésus, c'est la même chose. Et c'est seulement sous cette forme que vous pouvez vivre votre vie et glorifier Dieu. Votre humanité est donc vitale. Quand vous commencez à comprendre cela, alors vous commencez vraiment à voir à quel point l'avortement est ignoble. Ce n'est pas seulement un acte de commodité, ce n'est pas seulement l'acte d'assassiner un enfant à naître, c'est nier Dieu, nier tous ses droits que cet enfant aurait dû vivre dans ce monde. L'ensemble de la création est futile parce que vous avez avorté cet enfant. La vie devient donc la chose la plus importante qui soit. Et c'est pourquoi Jésus dit qu'elle est liée à l'amour comme l'amour est lié à la vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Dire oui, je suis prêt à souffrir et à mourir parce que j'aime cet homme, je ne connais pas. C'est une chose de dire « je vais m'asseoir ici et donner ma vie pour mon frère Roger ». Mais ça pourrait être quelqu'un de la rue. Et si je suis prêt à le faire, je suis aussi prêt pour ce sans-abri. Si je ne le connais pas, je donnerai quand même ma vie pour lui, parce que la vie est une vie. La vie est la vie. Ainsi, quand Dieu a suscité la création, comme je disais, il a sorti tous les actes qui seraient jamais faits, même s'ils ont toujours été en Dieu.
Nos actes n'existaient pas hors de Dieu, mais ils étaient dans l'Esprit de Dieu de toute éternité et ils seront là pour toute éternité. La vie que vous vivez, ou plus encore la vie que Jésus a pour vous, sera toujours là. Parce que c'est la gloire de Dieu. C'est comme ça qu'il s'est glorifié en dehors de lui-même, en créant d'autres petits dieux. Donc ceci représente... Nous l'avons fait une fois auparavant avec un groupe plus restreint, mais je voudrais l'utiliser à nouveau aujourd'hui. Ceci est le monde. Et quand Dieu a créé le monde, il a créé tous les actes humains, chacun représenté par une bille. Et ils ont vraiment été stockés depuis toute éternité dans la volonté de Dieu. Cette base représente la volonté de Dieu. Et il a dit, « Ok, je vais créer le monde. » Et quand il l'a fait, il a fait « Ouf !» Et il a déversé tous ces actes-là dehors, attendant que nous arrivions dans le temps et vivions ces actes. Vous me suivez? Non, je ne vais aller nulle part. Donc ce sont nos actes. Et ils ont toujours existé dans le mystère de Dieu. Et ils existeront toujours dans le mystère de Dieu. Vous êtes des créatures éternelles. Une fois que vous êtes né dans le monde, plutôt une fois que vous avez été conçu, vous êtes éternel. On ne peut pas dire que l'âme existait avant la conception. On ne peut pas dire cela. Votre âme n'existait pas avant d'être conçue. Si quelqu'un vous dit que vous avez en vous le souvenir d'avoir joué avec les anges avant votre naissance, vous vous trompez. Quelqu'un se trompe parce que ce n'est tout simplement pas possible. L'âme commence d'exister au moment de la conception et à partir de ce moment-là, elle sera sans fin. Elle ne meurt jamais. Elle aurait dû être plongée dans la vie de Dieu et être vécue par nous comme Dieu voulait que nous la vivions. Et alors Dieu aurait été glorifié et il aurait multiplié sa gloire à l'infini. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que chacun de ces actes humains, en quoi sont-ils transsubstantiés? En vie divine. Oui, Hélène? La conception de l'âme humaine est-elle simultanée à la conception du corps humain? Oui. Elle ne précède pas le corps? Non. Mais alors, comment cela s'accorde-t-il avec ce verset de l'Écriture « Dieu t'a choisi dès avant la fondation du monde » Qu'ai-je dit tout à l'heure? Qu'on a toujours été présent dans l'Esprit de Dieu. Ok, nous sommes donc en train de parler de la signification du mot « conception ». Nous sommes entièrement en train de parler de la signification du mot « âme ». Votre âme vient à l'existence avec votre corps. Quand l'âme et le corps sont réunis et que vous êtes conçus, c'est à ce moment-là que vous devenez éternel. À ce moment-là, vous n'existiez pas avant, sauf de cette manière dans l'Esprit de Dieu. Et nous ne savons pas ce que ce mystère signifie exactement. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Cette écriture fait référence donc à cette existence, ou quel que soit le nom qu'il faudrait donner, dans l'Esprit de Dieu. Oui, certainement. Je veux dire, ceci n'est pas seulement Hélène et sa vie, mais ce sont tous les actes individuels d'Hélène. Chaque moment de votre vie est contenu ici, et il est contenu ici de toute éternité, même si en réalité il n'était pas en existence, parce que vous ne pouvez pas dire la préconception, la préexistence de l'âme avant la conception est une hérésie. Vous ne pouvez pas le dire. Mais vous pouvez dire que vous étiez dans l'Esprit de Dieu de toute éternité. Donc vous vivez votre vie. Et à la fin, vous retournez dans la volonté de Dieu. Et pour toute l'éternité, ceci, c'est vous. Vous êtes désormais unis à Dieu d'une telle manière que si c'était vrai, si je pouvais arranger les choses comme je voudrais, il n'y aurait plus dedans tous ces actes individuels. En fin de compte, il n'y aurait qu'un seul acte, parce que Dieu n'est qu'un seul acte. Et à la fin, quand Jésus dit, quand Jésus prie qu'il soit un comme toi et moi sommes un, Père, il ne parle pas d'un et d'un qui s'unissent et font deux, il parle d'un et d'un qui s'unissent
et font un en Dieu. Alors retenez bien ceci, il n'y a pas d'unité en Dieu. Vous ne pouvez pas unir votre volonté à la volonté de Dieu. C'est aussi le quatrième degré de la vie dans la divine volonté. Les étapes 1, 2 et 3 sont celles-ci. Regardons d'abord, je ne veux pas oublier Adam là-haut. Quand Dieu a créé Adam, Adam a vécu un certain temps dans la divine volonté, n'est-ce pas? Donc les actes qu'il a vécu dans la divine volonté sont encore stockés dans la volonté d'Adam. Et Dieu, d'une manière ou d'une autre, les a laissés à part, distingués en quelque sorte. Parce que pour nous, vivre dans la divine volonté, être un avec Dieu, signifie qu'il ne peut y avoir d'interruption dans la vie de Dieu. Ainsi, la vie de Dieu en dehors de lui-même a commencé avec Adam et s'est prolongée jusqu'au dernier acte qu'il a accompli dans la divine volonté. Ce que nous faisons, ce que vous et moi faisons, c'est que chaque matin, lorsque nous faisons notre acte préalable, nous allons attacher notre premier acte de la journée au dernier acte d'Adam, qu'Adam a fait dans la divine volonté. Il y a donc une continuité depuis le début avec Dieu. En Dieu, il n'y a pas de rupture. Comprenez toujours? Vous rattachez intérieurement votre premier acte du jour à ce dernier acte ici même qu'Adam a accompli avant de pécher. Parce que cet acte est toujours là à nous attendre. Et Dieu a dit, si ce n'était pas pour ça, il aurait détruit la création. Il n'aurait eu aucune raison de laisser la création continuer. Si ces actes n'existaient pas. Mais parce que ce sont des vies divines, il devait les respecter, n'est-ce pas? Dieu respecte la vie, parce qu'il est la vie. Donc, parce qu'Adam avait accompli ses actes dans la divine volonté, ces actes ont créé des vies divines. Et ils sont restés là à attendre que la création commence à gémir dans l'attente de la venue des enfants de Dieu, qui est ce que nous sommes, vous et moi, les enfants de la divine volonté. Et nous, les enfants de la divine volonté, pour qu'il n'y ait pas de rupture entre Dieu et le monde, nous attachons notre premier acte du jour au dernier acte de l'âme d'Adam. Et quand je regarde en arrière, qu'est-ce que je vois? Je vois une ligne continue depuis le départ. Il n'y a aucune rupture. En ce sens, Adam n'a vraiment jamais péché. Comprenez-vous quand je dis cela? C'est important que vous le compreniez. Adam n'a vraiment jamais péché parce que nous avons été capables de finir sa vie pour lui. Donc c'est comme si le péché n'était jamais entré dans le monde. Et c'est une chose merveilleuse et subtile. Il dit, si le péché n'était jamais entré dans le monde, bien qu'il fallait que le péché entre dans le monde pour que Jésus naisse, pour que Jésus vienne dans le monde, mais maintenant qu'il tire tout à sa conclusion, il nous dit, regardez, il n'y a vraiment pas de péché, il n'y a pas de rupture. Adam n'a pas chuté parce qu'il y a quelqu'un qui a repris là où il s'était arrêté et qui a continué à travers le temps, qui continuera à travers toute l'éternité. Et ce sont les enfants de ma volonté. Vous êtes les seuls sur la surface de la terre à savoir qu'Adam a péché et qu'en même temps, il n'a pas péché. Vous parlez du péché originel? Oui. Avec ce qu'il dit, voilà où va mon esprit. Si je casse une image, elle est cassée. Mais si je suis habile à réparer les choses, je peux réparer cette image au point de donner l'impression qu'elle n'a jamais été cassée. Parce qu'elle a été parfaitement réparée par un maître. Et donc Dieu nous a donné cette divine volonté et en elle se trouve la capacité de faire réparation. Et quand dans la divine volonté nous rattachons nos actes à ces actes faits par Adam quand il était dedans, quand nous prenons cette divine volonté et la rattachons, nous avons réparé la création comme si elle n'avait jamais été cassée. Comme si, c'est le mot-clé. Mais pas parce qu'il a été réparé, mais parce qu'il n'y a pas de rupture causée par le péché. Le péché originel. Le péché originel est chaque fois que nous parlons du péché d'Adam. Nous parlons du péché originel qui est entré dans le monde. Cet acte unique de désobéissance qui consiste à manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous allons rattacher notre propre temps, je veux rattacher mon premier acte de la journée, au dernier acte qu'il a accompli avant de faire cela, avant de tomber dans le péché originel.
Ainsi, en réalité, en regardant en arrière, ce péché n'est pas là, parce que, comme si ce péché n'était pas là. C'est difficile à expliquer. Tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes en présence de deux sens différents, de deux façons différentes de voir les choses, de deux points de vue différents. Parce que le péché existe et Adam a péché pour le but de la rédemption. Mais pour le but de la sanctification, il n'a jamais péché. Parce que j'ai réparé cela en me rattachant à son dernier acte dans la divine volonté. Et j'ai vécu sa vie. J'ai vécu chaque vie. J'ai vécu la vie de tous depuis le commencement jusqu'à maintenant et jusqu'au dernier homme qui ne vivra jamais sur la surface de la terre. Voilà l'étendue, jusqu'où vont mes actes. Combien de fois dites-vous, je veux multiplier mes actes à l'infini, d'Adam au dernier homme qui existera jamais dans le monde? Le dites-vous? Multiplier nos actes au nom de tous, d'Adam au dernier homme qui existera jamais dans le monde, c'est ce que nous disons souvent. Parce que chaque acte que nous faisons affecte chaque acte de chaque vie de chaque personne qui a existé depuis Adam et qui existera jusqu'à la fin du monde. Donc jusqu'à la fin du monde, il y a une continuité de sainteté. Adam n'a pas péché. Entre-temps, nous subissons toujours les conséquences du péché. Nous sommes encore soumis à la tentation, nous devons encore mourir. Nous devons encore vivre dans cette boue de confusion que nous appelons une vie. Oui, nous devons encore faire cela. Mais notre bonne nouvelle est qu'il n'y a pas de péché dans le monde. C'était juste un outil que Dieu a utilisé pour nous remplir et maintenant nous l'avons surmonté. Hey, bonne nouvelle! Wow! Je suis un pécheur même s'il n'y a pas de péché dans le monde. Ce sont là des mystères à contempler. Ce ne sont pas des réponses que je vous donne parce que je ne peux pas. Je ne pense pas que ce soit très différent de la confession. Je suis un pécheur parce que j'ai péché. Mais quand je vais à la confession et que tout cela est pardonné, jeté dans la mer de l'oubli, cela n'existe plus. Soudain, je suis un pécheur et je ne le suis pas. Parce que mon péché a été oublié, il n'existe plus à ce moment-là. C'est le même concept. Il a éliminé, englouti le péché originel dans sa vie. Il l'a exclu par le don de la divine volonté. C'est pourquoi le don de la divine volonté est si important. Vous devez l'avoir. C'est pourquoi il doit être appelé le don de la divine volonté. Et c'est pourquoi vous devez connaître Louisa, parce que cela n'existait pas avant elle dans ce monde. Le don n'existait pas avant Louisa. Ne pensez donc pas en dehors du fait que Dieu a dit qu'il y a toujours eu au moins une personne dans le monde pour répondre pleinement à la volonté de Dieu. Sinon, il aurait détruit la création. Mais aucun saint, aucune personne qui n'a pu entendre parler de Louisa Picaretta, donc aucun de ceux qui sont morts avant 1865, n'ont pu recevoir le don de la divine volonté. Il n'existait tout simplement pas dans le monde. Le monde n'en avait simplement pas connaissance. C'est Dieu qui l'a fait advenir. C'est quelque chose de nouveau et de merveilleux. On l'appelle le troisième évangile, l'évangile du royaume. C'est ainsi que ces volumes sont appelés, car ils nous enseignent la sanctification du monde en éliminant réellement le péché. Oui? Alors, que se passait-il avec les actes si personne ne connaissait la divine volonté et si personne ne s'est uni au dernier acte d'Adam dans la divine volonté? Ok, tous les actes humains sont accompagnés de biens. Et il est difficile de dire ce que sont ces biens, parce que lorsque nous disons biens, nous pensons à des biens comme des marchandises, des articles de magasin. Vous savez, une armoire pleine de bonnes choses. Mais Dieu donne, il donne des biens, il donne des éclats infinis de beauté, des représentations infinies de sa justice, juste époustouflantes pour l'esprit humain. Chaque acte humain est accompagné d'une récompense de Dieu, parce que c'est un don que Dieu se fait à lui-même. Parce qu'au fur et à mesure que l'acte se fait en nous, c'est lui qui le fait en nous. Et lui qui le voit, il est acteur et spectateur. Il est tout ce qui existe, et donc il se donne un bien à chaque fois qu'un acte humain est fait.
Or, tous ces biens, tous ces actes restent suspendus parce que Dieu ne donne jamais et ne reprend jamais. Tout ce qu'il donne en dehors de lui-même, il le dit, « Je prononce ma parole et elle ne revient jamais à moi avant d'avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. » Tout ce que Dieu donne, qui provient de lui, c'est pour que quelqu'un le reçoive. Car c'est la différence entre Dieu et moi. Dieu donne et moi je reçois. Je ne peux rien créer à partir du néant. Je suis celui qui reçoit tout dans ma vie. Dieu est celui qui donne tout. Et il est le seul qui ait eu quelque chose à abandonner, sa divinité dans l'humanité de Jésus. Il est le seul qui ait jamais eu quelque chose à abandonner. Moi, ce que je dois abandonner m'a été donné par Dieu. Donc ces biens restent suspendus en l'air. Nous y viendrons dans une minute. J'aime à dire qu'ils sont comme suspendus dans la divinité. Et ce que nous faisons en tant qu'enfants de la divine volonté, pour chaque acte que nous accomplissons dans la divine volonté, nous obtenons les biens qui sont attachés à cet acte, plus les biens qui sont attachés à l'acte de quelqu'un d'autre qui ne vit pas dans la divine volonté. Ok? Joe Sixpack, de l'autre côté de la rue, est un type bien, mais il ne vit pas dans la divine volonté. Mais Dieu a quand même attaché certains biens à tous ses actes qui lui soient donnés à chaque fois qu'il ferait un acte dans la divine volonté. Et parce qu'il ne les reçoit pas, Dieu ne va pas les reprendre. Il va les donner à quelqu'un d'autre qui fait ses actes dans la divine volonté. C'est pour cela qu'ils sont déposés pour nous au ciel. Tous les biens que nous récupérons sur terre en vivant dans la divine volonté et qui sont les actes d'autres âmes qui ont choisi de ne pas vivre dans la divine volonté ou qui, par le mystère de Dieu, ne sont jamais parvenus à sa connaissance. Je ne sais pas comment cela fonctionne. Donc, si tout est réparé, alors il n'y a pas d'enfer. Tout le monde va au paradis? Ou l'enfer existe-t-il? Oh oui, absolument. Certes, Jésus a tout réparé. Il a donné sa vie pour apaiser le Père. Jésus, dans ses années cachées, a vraiment aimé et refait chaque vie humaine comme si elle avait été vécue parfaitement. Mais pas pour nous. Il l'a fait pour que le Père soit satisfait et qu'il n'envoie pas ses justes châtiments sur les créatures. Nous pouvons recevoir cette vie qu'il a vécue pour nous. Nous pouvons la refuser. Et c'est pourquoi il dit à Louisa qu'au dernier moment de notre vie, le dernier acte humain que nous accomplissons doit être un fiat. Nous devons dire une fois oui à Dieu pour entrer au purgatoire puis au ciel, ou dire non à Dieu au moment de notre mort et aller en enfer. Donc oui, l'enfer est plein de gens. Il nous voit tous comme si nous avions vécu une vie parfaite. Nous arrivons et Jésus dit, « Je vous offre cette vie parfaite si vous entrez en relation avec moi. Le voulez-vous ? » Et nous répondons, « Oui, nous le voulons. » Et nous allons au paradis. Ou nous disons, « Non, nous ne le voulons pas et nous allons en enfer. » C'est notre libre choix. Nous déterminons librement notre salut par le libre choix de notre volonté. Donc, vous croyez à l'enfer ? Absolument. C'est la grande réalité. Ici, ce qui est ici n'est pas tant la réalité. C'est un reflet de la réalité. Parce que ça n'a jamais... Je ne peux pas dire que ça n'a jamais, parce que je n'en sais rien. Nous avons été créés pour vivre au paradis, et nous aurions vécu au paradis si Adam n'avait pas péché. Si Adam n'avait pas péché, nous aurions été confirmés en grâce, et le paradis aurait été sur terre. Nous ne savons pas comment la vie se serait alors déroulée. Nous aurions vécu, c'est sûr. Nous avons toujours existé en Dieu. Mais nous n'existerions pas en tant que pécheurs. Nous serions nés au paradis sur terre. Donc oui. Et rappelez-vous que le purgatoire fait partie du paradis. Ne pensez pas que le purgatoire fait partie de l'enfer, ce n'est pas le cas. Le purgatoire fait partie du paradis. Je suis étonné du nombre de personnes qui ne le savent pas. Et cette réception du don, nous devons tourner notre attention sur ce que c'est. Ce qui a été le thème prédominant tout au long de notre vie en Église, c'est le salut, la rédemption. Et c'est ainsi que s'oriente notre pensée. Mais le don de la divine volonté et les écrits qui l'accompagnent pour nous apprendre à opérer dans ce don
concerne la sanctification, qui est essentiellement, qui est entièrement tournée vers le Père. Il s'agit entièrement de « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Il s'agit de faire réparation et de tout rendre au Père comme il nous l'a donné. Il ne s'agit pas de salut. Attends, tu t'éloignes de ce que je voudrais dire, là. Je sais ce que ça fait. Je veux que vous le compreniez. Vous devez le comprendre. Donc, encore une fois, c'est la seule réalité qui existe. Et ce qui est contenu en ceci, c'est la volonté de Dieu et vos actes. Que devient sa divine volonté lorsque Dieu la jette hors de lui, lorsqu'il la met en mouvement? Elle change et devient autre chose. Que devient-elle? Elle devient le divin vouloir. À cet instant, parce que la volonté est quelque chose que je peux avoir à l'esprit. Je peux avoir la volonté d'aller nager dans le canal là-bas. Mais c'est un très étrange vouloir que de mettre un maillot de bain et d'aller là-bas et de sauter dedans. C'est deux choses différentes. Je peux conserver toujours la volonté d'aller nager là-bas et ne jamais aller nager dedans, même si je le veux. Je le veux, je le désire, mais jusqu'à ce que mon propre vouloir agisse et fasse quelque chose, cela ne fait que rester dans ma volonté. Les deux termes sont presque interchangeables, mais juste une petite remarque. Dans les écrits, c'est la différence qu'il y a entre la divine volonté et le divin vouloir. La divine volonté est ce qui est toujours dans l'esprit de Dieu. Le vouloir divin est ce que Dieu fait lorsqu'il met cette volonté en acte, qu'il la jette au dehors. Acte divin et divine volonté opposés à divin vouloir. Pouvez-vous m'expliquer cela? Que voulez-vous dire par acte divin? Vous dites que le vouloir divin est ce qui, de la volonté divine de Dieu, est jeté dans le monde. Exact. Et les actes divins? Je ne sais pas, alors. Peut-être que ce n'est pas pertinent. Enlevez-vous cela de la tête. Tout ce que je viens de vous dire ici, c'est que la volonté de Dieu est ce qu'il veut depuis toute éternité, mais qu'il n'agit que lorsqu'il fait en sorte que cela se produise. Mais comment cela se rapporte-t-il au vouloir? C'est le vouloir. Le vouloir est la volonté en acte. C'est vrai pour Dieu comme pour vous. La volonté en acte, c'est le vouloir. Le vouloir indique le mouvement. C'est pourquoi le terme... En fait, dans certaines des plus anciennes conceptions de l'être, en remontant même jusqu'à Platon, l'être signifie être capable de mouvement. Le mouvement indique l'être. Dieu est éternellement « je suis qui je suis ». D'accord? Mais il arrive un moment où Dieu agit. Et le vouloir de Dieu entre en action. Il prend cette volonté et la fait se réaliser. Et alors, cela devient son divin vouloir, sa volonté en acte. Comme un mouvement. Oui, et je vous le dis pour une autre raison que je n'aborderai peut-être pas encore. Parce qu'être humain, cela signifie se mouvoir, c'est être capable de mouvement. En Dieu, bien sûr, il n'y a pas de mouvement parce que Dieu est tout simplement. Il est éternellement. Il y a donc un moment où Dieu vous crée, vous naissez. Et c'est vous, c'est votre âme. Et c'est en fait tout ce que vous êtes. Vous n'êtes pas une personne magnifiquement belle comme vous vous êtes montré aujourd'hui. Ce n'est pas qui vous êtes vraiment. Ce que vous êtes vraiment, ce que vous êtes, tout ce que vous êtes, c'est votre volonté. Votre volonté est qui vous êtes. Parce que c'est ce que Dieu est. Dieu est sa volonté. La volonté de Dieu est Dieu lui-même.
Et si vous êtes votre volonté, bien que vous possédiez des facultés supplémentaires que Dieu ne possède pas en plus de ce qu'il est, vous avez un intellect et une mémoire. En Dieu, ils ne sont qu'une seule chose. Mais vous, vous avez l'intellect, la mémoire et la volonté, et en cela, vous portez l'image et la ressemblance divine. Parce que vous pouvez penser et réfléchir sur vous-même, je pense donc je suis, et parce que vous pouvez vous en souvenir. C'est avoir en partage la divinité de Dieu. C'est ce qui nous différencie de toute la création inanimée autour de nous. Ou même de Fred. Non, Fred est peut-être une exception. Il me parle la nuit parfois. Alors voilà ce qui se passe. Vous arrivez dans le monde et nous allons dire que vous ne connaissez pas la divine volonté parce que c'est ainsi que vous êtes venu au monde. Donc, vous venez au monde et vous commencez à vivre votre vie normalement sans que ce soit des actes divins, ce sont des actes humains. Et comme nous le savons, la volonté humaine veut tout obtenir, tout ce qu'elle veut, vous savez. Je veux ceci, je veux cela. Je ne t'aime pas, je n'aime pas ça. Je suis honnête, je suis la personne la plus exigeante qui vive sur la face de la Terre. Je vais faire de la chirurgie plastique. Je veux que tous les enfants du monde soient heureux et nourris. Oui, j'exagère pour que vous compreniez ce que fait la volonté humaine, la façon dont elle pense. Elle pense à moi, 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 moi et moi. Où est la considération de la volonté de Dieu dans tout ça? Eh bien, un jour ou l'autre, si vous êtes dans une situation désespérée, vous allez vous tourner vers Dieu et lui dire, « Oh mon Dieu, si je savais quelle est ta volonté, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre une de ces billes, de venir et de la laisser tomber en moi. Si tu connaissais ta volonté, je la ferais. » Et parfois, Dieu peut faire ça, juste pour vous garder apaisé. Mais comme je vous l'ai déjà dit, nous n'avons jamais été destinés à connaître la volonté de Dieu. Nous avons été créés pour la posséder. Oui, pour la posséder. Donc, vous vivez cela, c'est votre vie. Et d'ailleurs, je vais vous dire ceci, certaines personnes ne peuvent pas l'accepter, mais c'est la vie de chaque saint. Et Jésus dit à Louisa, il y a des gens qui ont dit, je veux vivre une vie sainte selon la sainteté humaine, je veux être vertueux, je veux pratiquer toutes les vertus. Et donc, au lieu d'avoir tous ces actes sales en eux, ils n'auront pas d'actes divins, ils n'ont pas de billes là-dedans, mais ils auront peut-être des actes en papier blanc. Ce seront les grands actes blancs. Mais ils sont toujours là à dire, « Oh Dieu, je veux faire ta volonté pour devenir saint, car dans la volonté de Dieu se trouve toute la sainteté. » Le seul endroit où vous trouvez la sainteté est dans la volonté de Dieu. Donc ils disent, « Dieu, si je connaissais ta volonté, je la ferais. » Et si vous avez de la chance et que vous avez un supérieur, ce qui signifie que vous appartenez à une congrégation religieuse ou que vous êtes marié, vous avez quelqu'un qui vous dit quoi faire. Vous avez votre vie et elle est remplie de ces actes humains. Certains d'entre eux sont des actes saints. Vous avez dit, oui, je vais être charitable aujourd'hui, je vais faire des cookies pour mon voisin, je vais faire du babysitting pour mon ami en bas de la rue. Je vais aller faire les courses pour mon ami invalide, toutes ces choses que nous faisons pour devenir saints. Voilà ce qu'est la sainteté humaine. Voilà ce que signifie être saint jusqu'à Luisa Picaretta. C'est Padre Pio, c'est Saint François, c'est Saint Joseph. C'est Saint Faustine. C'est la petite Thérèse. Ce sont toutes ces personnes. Mère Teresa. Ce sont tous ceux-là parce que ont-ils été capables de mettre des actes divins dans leur volonté? Non, parce qu'ils ne connaissaient pas la divine volonté. C'est pourquoi vous devez la connaître. Vous devez la connaître afin de pouvoir la désirer, afin de pouvoir l'aimer, afin de pouvoir la posséder. Quatre étapes. Vous vous souvenez? Connaître, désirer, aimer et posséder.
En premier, vient connaître. Il faut en recevoir la connaissance. C'est pourquoi Dieu l'a gardé en réserve jusqu'à un moment particulier. C'est pourquoi il a dit que je donnerai ce don à la fin des temps, parce que je vais leur permettre de multiplier leurs actes à l'infini et de compenser pour tous ceux qui sont venus avant eux. Mais il n'y en aura que quelques-uns qui vivront dans la divine volonté. Et elles commenceront avec Louisa. Louisa sera la première à y vivre, capable de dire qu'elle a vécu toute sa vie dans la divine volonté. Parce que ce qui se passe ici, et souvenez-vous, c'est vous, je m'adresse à chacun d'entre vous, parce que c'est tout ce qu'il y a, il n'y a pas un tas de tasses ici avec tous vos noms. Oh non, il n'y a qu'une tasse avec un seul nom, et ce nom est le vôtre, d'accord? Du point de vue de Dieu, c'est comme ça qu'il nous aime, c'est comme ça qu'il nous voit. Alors ce qui se passe, c'est que quelqu'un arrive et vous dit, « Avez-vous entendu parler de la divine volonté? Avez-vous entendu parler de Louisa Picaretta ?» Et vous répondez, « Non, parlez-moi de cela. » Premier degré, la fenêtre s'ouvre dans la maison, vous avez reçu la connaissance de la divine volonté. Et rappelez-vous, le deuxième degré, le troisième degré, vous sortez et vous voyez combien c'est beau, vous allez au sommet de la montagne et vous êtes attiré par le soleil et vous attendez. Le premier, le deuxième et le troisième degré sont là pour que vous puissiez remplacer chacun de ces actes que vous avez faits par un acte divin. Et d'où cela vient-il? De toute éternité. Vous vous souvenez? Dieu avait cet acte pour vous de toute éternité. Alors il va dire, « Oh, ok. » Et vous dites, « Laisse-moi refaire un autre acte de ma vie passée. » Il dira, « Ok, tu laisses celui-là et je te donne celui-là. » Et lorsque vous commencez à refaire ces actes, alors vous commencez à recueillir tous les biens que Dieu avait destinés à d'autres personnes qui ne les ont pas possédés. Et vous commencez à stocker tous ces biens dans le ciel, et votre vie change, parce que vous faites quelque chose qui est merveilleux en vous. Vous faites un miracle en vous. Vous prenez chaque moment de votre vie, c'est ce que sont les degrés 1, 2 et 3, pour refaire votre vie. Et ça doit être fait acte après acte, comme ça. Vous ne pouvez pas dire, « Dieu, je refais tous mes actes de ma vie passée, merci, point final. » Vous voulez aller ou entrer dans les actes de votre vie passée, surtout ceux pour lesquels vous avez de la culpabilité et des remords. C'est comme se vider de soi-même. Absolument. Vous finissez par vous vider de tous ces actes. Et le jour viendra où vous aurez refait tous les actes, et alors à ce moment, vous serez comme Adam. Et Dieu dira, « Ok, es-tu prêt pour le quatrième degré ?» Et au quatrième degré, vous devenez un avec quoi ? Vous êtes élevé au-dessus de la montagne, et vous ne faites plus qu'un avec le soleil. Rappelez-vous, vous ne faites plus qu'un avec le soleil. Et à ce moment-là, il dit, « Ok, maintenant je vais te donner le don de la divine volonté. Et je vais couvrir la source du péché en toi, et tu ne pécheras plus jamais. Tu ne pécheras plus jamais dans ta vie. Tu n'as plus rien à refaire. Tu as refait tous tes actes. Et maintenant, chaque acte que tu fais est une vie divine qui vient en toi. » Et donc, en faisant cela, vous commencez à ressembler à quoi? À un petit Dieu. Vous devenez comme lui. Parce que vous avez refait vos actes, vous ne péchez plus. Tout ce que vous faites maintenant devient pur, saint et divin. C'est ce qu'on appelle des actes divins. Et cela s'appelle la sainteté divine, par opposition à la sainteté humaine. Cette distinction est-elle claire? Dites-moi si vous ne la comprenez pas, la différence entre la sainteté humaine et la sainteté divine. La sainteté humaine est, je me dis que je veux être le plus vertueux possible. Je vais prier à genoux tout le temps. Je vais juste, vous savez, faire réparation à Dieu. Et je vais faire ceci, je vais faire cela, blablabla. Bla, bla, en disant que vous allez faire cela, parce que vous voulez vous rendre saint. Ok? Ça, c'est la sainteté humaine. Et ce n'est en rien la sainteté divine. On parle de pommes et d'oranges.
Vous avez trouvé la divine volonté, vous commencez à revivre votre vie, vous commencez à remplacer. C'est pourquoi, quand on dit « vous devez vous vider entièrement et avoir un abandon total et un détachement total », on parle de ça. Où sont les actes de votre vie? Où sont-ils? Pourquoi ne sont-ils plus dans votre volonté? Ils ont tous été transformés en quoi? En acte divin. N'est-ce pas le plus grand des miracles? Absolument. Parce que c'est ce que j'ai lu à mes enfants, que c'était le plus grand des miracles. C'est le plus grand miracle, le plus étonnant des miracles. C'est un miracle incalculable. Qui peut dire la grandeur de ce miracle? Parce que vous devenez un petit Jésus ambulant. Parce que ces actes divins que vous faites sont quoi? Des vies divines. Et donc, vous vivez votre vie comme ça, jusqu'à la fin. Et en fait, il n'y a pas de fin pour vous. Car où est votre volonté humaine qui était à l'intérieur de vous? Où est-elle maintenant? C'est à partir de là que vous opérez. Ce n'est plus votre petite vie. Vos actes sont devenus un avec tous les actes de Dieu, mais ils sont aussi devenus les actes de tout le monde. Car ce sont mes actes, ce sont les actes de Dell, ce sont les actes de Sabrina. Chaque fois que vous faites un acte dans la divine volonté, vous le déposez dans votre volonté humaine, qui est déposée dans la divine volonté, de sorte qu'il n'y a qu'une seule chose au monde, et c'est la divine volonté, remplie d'actes divins comme elle l'a toujours été. C'est alors que vous pouvez dire que vous faites maintenant ce pourquoi Dieu vous a créé. C'est une image si parfaite parce qu'il y a une lecture qui dit « Les enfants de la divine volonté sont la couronne de Dieu. » Vous voyez sa couronne, vous êtes une couronne de Dieu. Lisons le premier passage de la feuille imprimée d'aujourd'hui. Permettez que je le lise pour vous et vous suivez sur la feuille. Volume 9, 1er novembre 1910. La consommation de l'union des volontés forme l'union suprême. Continuant dans mon état habituel, Jésus très saint est venu un petit moment et m'a dit « Ma fille, l'union suprême a lieu quand l'âme atteint une union si étroite avec ma volonté qu'elle consume toute ombre de sa propre volonté, de telle sorte qu'il n'est plus possible de discerner laquelle est ma volonté et laquelle est la sienne. Alors, ma volonté devient la vie de cette âme, de telle sorte que, peu importe ce dont je dispose pour elle, de même que pour les autres, elle en est contente. » C'est ce que Roger vous dit. Il n'y a plus de discernement. Le péché vous a été retiré. Vous ne pécherez plus. Vous n'aurez plus à décider quelle est la volonté de Dieu. Vous ferez simplement la volonté de Dieu. Faites-le et c'est la volonté de Dieu. Vous n'auriez pas d'imprimé supplémentaire? Certainement. Alors ma volonté devient la vie de cette âme de telle sorte que peu importe ce dont je dispose pour elle, de même que pour les autres, elle en est contente. Tout doit devenir oui en Dieu, nous dit Paul. Plus de oui et de non, mais tout doit devenir oui. C'est ce qui est arrivé quand Adam a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On n'était pas censé connaître le bien et le mal. On n'était pas censé avoir à discerner ce qu'il faut faire. Parce que tout aurait dû être si simplement bon, comme c'était le cas avant le péché d'Adam. C'est ce qu'on appelle le don préternaturel, d'intégrité. Adam l'a perdu, ce don d'intégrité. Et en guise d'héritage, nous sommes tous devenus des personnes qui doivent constamment se demander ce qu'elles vont faire, la bonne ou la mauvaise chose, la bonne ou la mauvaise chose. Et cela fait 2000 ans que nous faisons cela. Maintenant, ce n'est plus le cas. Tout est bon, tout est Dieu, tout est fiat. Mon mari vient de décéder, fiat. Sam vient d'être tué dans un accident de voiture, fiat. Je viens de perdre 100 millions de dollars, fiat. Tout est bien, parce que tout vient de Dieu et que vous ne vous posez plus de questions. Vous ne faites plus de jugement. Ce n'est pas une question d'être dur. On souffre de la perte, oui,
Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que cela ne devient plus un facteur dans votre vie. Parce que tout vient à vous par les mains de Dieu. Parce qu'il n'y a rien que vous puissiez faire par vous-même. Tout est fait par Dieu. Chaque chose est faite par Dieu. Et cela ne nous prive pas de notre libre arbitre. Mais Dieu initie chaque acte en vous. Vous, vous décidez quoi faire avec cet acte. Mais lui, il initie l'acte. C'est comme si vous donnez 100 dollars, tu vous donnes 100 dollars, vous le dépensez en bien ou vous le dépensez en mal. Le choix vous appartient. Mais vous ne faites ni l'un ni l'autre avant que Dieu ne vous donne les 100 dollars. C'est ainsi qu'est chaque acte. Il initie l'acte et vous décidez de son utilisation. L'utiliserez-vous pour le bien ou l'utiliserez-vous pour le mal, pour acquérir des bandes dessinées ou pour de la pornographie? Vous êtes devant un choix, mais dans la divine volonté, on ne fait plus ça parce que tout ce qui se présente est bon. Tout ce qui nous arrive est bon. Vous recevez cela comme bon. Vous dites « fiat » continuellement, et votre vie est continuellement habitée de ce fiat qui ne vous apporte que de bonnes choses. La plupart des humains ne peuvent comprendre cela, ils ne peuvent le supporter. Ils ne supportent pas de voir ce que nous appelons les mauvaises choses arriver dans le monde. Et puis il faut revenir à la Sainte Messe, sous la croix qui a dit « Oui, je veux aussi qu'il meure ». Vous vous rappelez? C'est ce que Marie dit à son fils, « Oui, je veux aussi que tu meures ». Pourquoi? Elle voyait d'avance les biens qui découleraient de la rédemption. Elle savait ce que sa mort apporterait. Dès lors, était-ce bon que son fils meure, ou devait-elle dire « Oh Père, ne prends pas mon fils unique, je l'ai conçu miraculeusement, et il est Dieu, tu ne peux pas lui faire ça, rends-le-moi » Marie dit-elle cela sous la croix, debout sous la croix, en pensant à elle-même? Non. Elle considère les choses dans leur entier déploiement. Elle pense à la volonté de Dieu, et elle est capable de dire oui. Elle dit oui à tout, surtout quand elle ne comprend pas. Elle dit simplement oui. C'est une chose bien cruelle qui doit arriver dans ce monde, la crucifixion, mais je dis oui parce que ça va finir par être une bonne chose. C'est ce qui est dit avec les mots. Elle est contente de tout. Tout semble lui convenir, la mort, la vie, la croix, la pauvreté, etc. Elle considère tout cela comme des choses qui lui appartiennent et qui servent à maintenir sa vie. Elle arrive à un tel point que même les châtiments ne l'effraient plus, mais qu'elle se contente de la divine volonté en tout, à tel point qu'il lui semble que si je veux quelque chose, elle le veut aussi. Et si elle le veut, le Seigneur le fait. Je fais ce qu'elle veut et elle fait ce que je veux. Rappelez-vous, c'est la divine volonté et c'est aussi votre volonté humaine. Et la divine volonté qui n'est qu'un acte est impliquée dans la volonté de chaque personne sur la surface de la terre. Vous faites maintenant partie de cette volonté. Vous dirigez la personne assise à côté de vous. Vous êtes impliqué dans la direction de leur vie parce que vous vivez dans la divine volonté. Parce que vos actes ne font plus qu'un avec la divine volonté de Dieu. Et c'est cette même divine volonté qui anime votre voisin. Par conséquent, vous êtes aussi impliqué dans cela. Vous comprenez? Je n'essaie pas de vous embrouiller. C'est un langage un peu difficile, mais vous savez, j'ai fait tous mes actes dans la divine volonté. Roger a fait tous ses actes dans la divine volonté. Nous avons refait nos actes. Nous sommes au quatrième degré. Nous ne vivons qu'une seule volonté, car il n'y a pas d'union des volontés. Je ne vis que dans la divine volonté. Ma volonté humaine redevient ce qu'elle était au début. C'est-à-dire quoi? Un récipient transparent, et c'est tout. C'est pour cela que votre volonté a été créée. Comme un récipient transparent qui contiendrait la vie divine, la divine volonté de Dieu opérant en vous. Ainsi, du moment que cela m'est arrivé et du moment que cela est arrivé à Roger, cela signifie que tous mes actes sont dans ses actes et que tous ses actes sont dans mes actes. Nous partageons ces mêmes biens ensemble. Nous sommes un, Roger et moi. Nous sommes un comme Dieu l'a voulu. Ce n'est pas Roger et le Père John vivant ensemble dans la divine volonté, non. C'est bien plus que cela. Nous sommes devenus un dans l'essence même de nos vies. Parce que ce n'est plus Roger agissant en lui-même, ce n'est plus moi agissant en moi-même. C'est Jésus qui agit
en nous. À travers ces trois étapes, il a purifié notre volonté et nous a divinisés, nous ramenant à l'image et à cette ressemblance originelle que nous avions avec Dieu. Et maintenant, nous agissons comme Dieu, avec un D majuscule. Nous ne sommes pas celui qui a créé le monde, non? Mais nous sommes devenus ce que nous étions censés être depuis le commencement. Et ne croyez pas que Dieu veuille créer quelque chose de moins que lui-même. Pourquoi voudrait-il faire cela? Je veux dire, il n'est pas un sergent instructeur, il ne dit pas « Je veux créer tous ces idiots que je vais pouvoir bousculer ». Non, il veut des images exactes de lui-même. Il nous a créés pour être juste comme lui. C'est pourquoi il y a un purgatoire. Parce que pour tous ces gens ici-bas avec leur âme, qui ont vécu d'actes humains toute leur vie, quand ils meurent, peuvent-ils se présenter devant Dieu? Sont-ils comme Dieu? Pas vraiment. Rappelez-vous quand Jésus dit « Je ne reçois pas de louanges humaines ». Ne pensez pas qu'on s'envole simplement au ciel pour chanter la gloire de Dieu, parce que pour entrer en sa présence, il faut devenir un comme lui. Donc, si vous ne l'avez pas fait durant votre vie, si vous n'avez pas accepté le don de la divine volonté, où pourriez-vous changer tout cela en vie divine? Eh bien, au purgatoire. C'est à cela que sert le purgatoire, et c'est pourquoi les gens y restent généralement très longtemps, parce qu'ils n'ont pas voulu faire la volonté de Dieu de leur vivant. Par conséquent, pour tous les actes de leur vivant qu'ils ont fait dans leur volonté humaine, ils doivent les refaire au purgatoire avant de pouvoir entrer dans cette même condition là-haut. Mais à la fin, tout le monde entrera dans cette même condition. Et quand la fin arrivera, quand le royaume commencera à se manifester, tous ceux qui auront voulu vivre avec Dieu seront un dans la volonté de Dieu. Tous ceux qui n'auront pas voulu vivre avec Dieu, Dieu les fera disparaître de la surface de la terre. Et c'est tout ce qui restera. Dieu. C'est cela l'unicité de Dieu. Ce n'est pas Dieu considéré dans son unité, c'est Dieu un dans son être. Il n'y a pas de différence entre toi et moi, il le dit à Louisa une douzaine de fois. Dans la divine volonté, il n'y a pas de « ceci est à moi, cela est à toi ». Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Rien n'est à toi, rien n'est à moi, tout est à nous. Ceci, c'est vous. Est-ce que nous réparons aussi pour les âmes du purgatoire? Vous savez, comme nous prions pour elles, est-ce que nous réparons pour elles aussi? Lorsque nous prions pour elles, nous les aidons à refaire leur vie, nous les aidons à réparer leur vie. Elles doivent le faire, c'est pourquoi elles nous demandent si souvent de prier pour elles, et pourquoi il est important que nous développions une dévotion pour les âmes du purgatoire. Car une fois que vous entrez au purgatoire, pouvez-vous encore acquérir des mérites? Non, c'est terminé. Il faut que quelqu'un d'autre fasse tout cela pour vous. Et cela signifie que ceux qui sont dans l'église militante, nous qui courons de gauche et de droite comme des idiots, nous sommes les seuls à pouvoir les aider. Alors pouvons-nous prier et obtenir la réparation pour ces âmes? Bien sûr. Vous savez, vous pouvez respirer, c'est tout ce que vous avez à faire. Quand vous respirez, vous réparez tout, toute chose. Vous réparez tout. Je ne peux pas dire autre chose que cela, simplement en respirant. Donc tous ces actes que vous avez faits avant d'entrer dans la divine volonté, Dieu les évacue. Je ne sais pas comment il fait, mais il s'en débarrasse. Il n'y a plus d'actes humains dans le monde. Tous vos actes humains ont été transformés en actes divins. Ils ont tous été réunis dans l'acte unique de Dieu qui n'est en fait qu'une bille. Et c'est ce qui existe de toute éternité. De toute éternité, cette bille a existé et elle existera toujours. Sauf que nous aurons trouvé la place qui nous revient en devenant une partie même de cette bille et non en étant unis à elle. Jean? En lisant les heures de la Passion, il dit qu'il fait sortir parfois une âme qui vient du purgatoire pour la donner. Mais est-ce qu'il le fait aussi pour les âmes de l'enfer? Il ne dit pas qu'il fait sortir une âme pour la donner. Non, non, il ne dit pas ça. Il dit juste, je te donne une âme, je te donne un baiser. C'est tout ce qu'il dit. Pour chaque mot que tu écris, je te donne une âme. Et que peut-on faire avec une âme? L'aider? C'est tout ce qu'on peut faire, parce qu'on ne peut pas déterminer le salut des autres, cela dépend de chacun. Mais pour moi, cela amène les gens à connaître la divine volonté, car
C'est ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, plus que toute chose en ce moment, c'est que nous vivions cela aussi intensément que nous le pouvons. Parce qu'en le vivant intensément, nous évangélisons. La grâce qui sort de nos vies en vivant dans la divine volonté entre dans d'autres individus. Ils entendent parler de la divine volonté, ils s'informent auprès de quelqu'un, ils commencent à aller au cénacle, ils commencent à vivre ainsi, et cela devient une réalité pour eux aussi. Mais pensez au temps qu'il a fallu pour que cela devienne une réalité pour vous. Vous savez, dans cette unicité de Dieu, toute chose, toute la création, chaque âme, chaque acte que Dieu a jamais initié existe en moi. Absolument toute chose. Qu'est-ce que j'en fais? Je le donne à Dieu. Et comment je fais cela? En vivant. En reconnaissant qui vous êtes fondamentalement. Oui, c'est tout ce que vous avez à faire, reconnaître et admettre qui vous êtes. Et si vous n'arrivez pas à comprendre ce que je viens de développer et que vous ne vous dites pas « Ok, c'est maintenant bien clair que je deviens divin, que je deviens comme Jésus », si vous n'avez pas ce concept dans votre esprit aujourd'hui, alors la divine volonté n'est pas pour vous. S'il vous plaît, ne revenez pas. Oui? J'ai une question sur la distinction entre la divine volonté et le vouloir divin, parce que précédemment, j'ai mal compris. Je pensais que c'était un peu la même chose. Donc, quand on parle d'être un avec la divine volonté de Dieu, est-ce la même chose? Ou c'est différent? En quoi est-ce différent de demander de ne faire qu'un avec le divin vouloir de Dieu? Vous êtes le divin vouloir de Dieu parce que vous êtes sa volonté en acte. Il a voulu votre existence et quand le temps est arrivé pour cela, vous avez existé. Il vous a mis là. Vous êtes donc le résultat de son vouloir. Oui, mais pour nous, nous sommes un avec le vouloir. Nous sommes un avec la divine volonté. C'est la même chose. De notre point de vue, il n'y a pas de différence. En ce qui concerne la projection de l'être, pour nous, parmi ces deux mots, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Donc, la divine volonté se rapporte au mot désir et le vouloir divin est le mouvement. Et les actes divins sont les vies divines. Oui. Parce qu'après que Jésus ait tout dit et tout accompli, Dieu ne veut pas être plein d'actes humains, il veut être plein de vie divine. Bien sûr qu'il le veut ainsi. C'est pour cela qu'il a créé le monde et qu'il nous a tous créés, afin de pouvoir multiplier sa gloire en dehors de lui-même. C'est la grande gloire de Dieu. Et nous ne glorifions pas Dieu tant que nous ne faisons pas ce pour quoi nous avons été créés, c'est-à-dire vivre dans la divine volonté. Vous savez, c'est pour ça que ça doit devenir la chose la plus importante de votre vie. Parce que rien d'autre ne compte si vous ne vivez pas dans la divine volonté. Et malheur à vous si vous la connaissez, la divine volonté, et que vous ne la vivez pas, je vous le dis. Nous avons découvert cette semaine dans nos réunions du matin combien cela peut être grave si vous entendez parler de la divine volonté et que vous n'avez pas l'intention de vivre en elle. N'allez pas jusqu'à ce quatrième degré. Sortez simplement de là. Et sortez maintenant. Parce que vous jouez avec le feu, avec un grand feu. Donc, lisons un peu plus loin. Je suis désolé, je n'ai pas pu finir de lire ce passage. Deuxième paragraphe. C'est le dernier souffle de la consommation de ta volonté dans la mienne que je t'ai demandé maintes fois, et que l'obéissance et la charité envers le prochain ne t'ont pas concédé. À tel point que maintes fois, je me suis rendu à toi en ne châtiant pas, mais tu ne t'es pas rendu à moi au point que je suis obligé de me cacher de toi pour être libre quand la justice me force et que les hommes en arrivent au point de me provoquer à prendre le fléau dans ma main et à châtier les peuples. Si je t'avais avec moi, avec la divine volonté dans l'acte de flageller, j'aurais probablement limité et diminué le fléau. Parce qu'il n'y a pas de plus grande puissance au ciel et sur la terre qu'une âme entièrement et complètement consumée dans ma volonté. Elle atteint le point de m'affaiblir et de pouvoir me désarmer à son gré. Voilà l'union suprême.
Il y a aussi l'union mitigée, dans laquelle l'âme est résignée, oui, mais sans considérer mes dispositions comme étant ses propres choses, comme étant sa propre vie. Elle ne se délecte pas non plus de ma volonté, ni ne dissout la sienne dans la mienne. Celle-là, je la regarde, oui, mais elle n'arrive pas au point où je m'éprends d'elle, où je deviens fou d'elle, comme c'est le cas pour celles qui sont dans l'union suprême. Mais c'est entièrement possessif? Oui. Alors, que signifie la deuxième ligne, mon père, que l'obéissance et la charité envers le prochain ne t'ont pas concédé? Eh bien, les vertus humaines ne prennent pas vie en toi, Louisa. Tu ne pratiques pas la charité comme tu le devrais. Faire ces choses, cela ne t'est pas venu. Tu ne les as pas faites. Vous comprenez? Non. Que l'obéissance et la charité envers le prochain ne t'ont pas concédé. Oui. Le mot concédé. C'est probablement un mauvais mot. Ce que cela signifie, c'est que tu n'as pas été assez charitable et obéissante envers ton prochain pour que Dieu t'accorde ce don. Dans la sainteté humaine. Vous savez, il fallait que je prenne la parole. Ce que je comprends, moi, ce que ce paragraphe me dit, c'est que parce que tu aimes tellement ton prochain, Louisa, et que tu as tellement d'amour en toi, tu refuses d'être d'accord avec moi dans mes châtiments, quand je vais châtier le monde, quand je permets un tremblement de terre, des inondations et d'autres choses. Si tu avais été d'accord avec moi, tu aurais pu faire en sorte que je diminue mes châtiments. Mais comme tu ne l'as pas fait, mon châtiment a eu toute sa portée. Et lui dit cela. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle juge Dieu, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas. Je ne suis pas d'accord avec tes châtiments et je ne veux pas être partie prenante. Jésus allait voir Louisa et lui disait, « Tant que je suis avec toi, je suis forcé de ne pas châtier le monde. Parce que tu me donnes quelque chose qui... Tu me donnes moi-même, tu me donnes ce que je veux. » Et puis Louisa en arrivait à se disputer avec lui et disait, « Je ne veux pas aller avec toi pour envoyer des châtiments. » Une fois, il lui a demandé de venir et qu'elle a répondu, « Je ne veux pas. » C'est alors qu'il lui a dit, « Tu ne veux pas vivre dans ma volonté. Tu ne peux pas profiter des bonnes choses et ne pas être impliqué dans les mauvaises. Dans l'acte de châtier, tu es présente également. Si Dieu provoque un tremblement de terre aujourd'hui et que 8000 personnes y sont tuées, vous êtes avec Dieu qui permet que ces 8000 personnes meurent si vous êtes dans sa volonté. Vous ne pouvez pas choisir dans quoi vous serez impliqué. » Et se pourrait qu'il n'y en ait que 4000 qui meurent et que 4000 soient sauvés. C'est possible, c'est vrai. On ne sait pas. On ne sait pas. La véritable charité envers le prochain consiste à le libérer de la souffrance. La véritable charité envers le prochain consiste à aimer son prochain comme soi-même, l'aimer autant qu'on s'aime soi-même. Jésus dit à Louisa qu'une personne qui fait cela, qui juge la volonté de Dieu et qui choisit ce qui lui plaît, il dit... qu'elle est dans un degré inférieur, celui de la résignation. La résignation est le degré qui précède la réception du don. C'est un degré élevé, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la divine volonté. Et rappelez-vous, il y a un abîme entre les deux. Ce n'est pas comme si la sainteté humaine ou la volonté humaine était vraiment proche de la divine volonté, non? Il y a des gens qui aiment faire cela. Ils aiment dire... L'Église épiscopale est très proche de l'Église catholique. Non, non. Il y a un océan entre eux. C'est la même chose entre la sainteté humaine et la sainteté divine, comme nous allons le voir dans cette prochaine lecture. Il y a un abîme d'une profondeur infinie entre l'une et l'autre. Choisir de ne pas vivre dans la divine volonté, mais d'en rester à la sainteté humaine est... Ce serait une folle erreur.
Dire « oui, je suis au courant, mais j'ai choisi de ne pas vivre dans la divine volonté, de me contenter de la sainteté humaine. » Il y a un tel abîme entre les deux. Si on en connaissait la profondeur, on ne ferait pas une telle erreur. Père, ils ne savent pas ce qu'ils font, n'est-ce pas? Ils ne savent pas. C'est pour ça qu'ils disent non. C'est exactement ça. Lisons le texte suivant, tiré du volume 11 à la date du 8 septembre 1916. Les actes dans ma volonté sont les actes les plus simples. Parce qu'ils sont simples, ils se communiquent à tous. D'accord? Parce qu'ils sont simples, mes actes accomplis dans la divine volonté se communiquent à tous. Vous tous ici, vous recevez mes actes au moment où je les fais. Parce que nous avons un dénominateur commun. Même si vous n'êtes pas dans la divine volonté, vous recevez quand même la grâce de mes actes parce que je vis dans la divine volonté. Les actes dans ma volonté sont les actes les plus simples, mais parce qu'ils sont simples, ils se communiquent à tous. La lumière du soleil, parce qu'elle est simple, est la lumière de tous les yeux, et pourtant le soleil est un. Un seul acte dans ma volonté, comme la lumière la plus simple, se diffuse dans tous les cœurs, dans toutes les œuvres, en chacun. Et pourtant, l'acte est un. Mon être même, parce qu'il est le plus simple, est un acte unique, mais un acte qui contient tout. Il n'a pas de pied, mais il est le pas de tous. Pas Dieu, mais il est l'œil et la lumière de tous. Il donne la vie à tous, mais sans effort et sans labeur, et pourtant il donne l'acte d'opérer à tous. Ainsi, l'âme dans ma volonté devient simple, et avec moi, elle se multiplie en tous et fait du bien à tous. Ah, si tous comprenaient l'immense valeur des actes, même les plus petits, accomplis dans ma volonté, ils ne laisseraient pas un seul acte leur échapper. Pour moi, la clé pour comprendre cela, c'est de comprendre que Dieu est simple. Et qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est simple? Cela signifie qu'il n'y a rien qui est ajouté à lui. Il est et a toujours été ce qu'il est. Et il est juste simple, il n'est qu'une seule chose, il n'est pas fait de plusieurs parties. Il n'est qu'une chose, il est simple. Et dans la divine volonté, nous devenons simples. Nous devenons aussi une chose, là-haut, et nous devenons un avec Dieu, et nous devenons Dieu. Et nous devenons parfaitement simples. Vous savez, nous vivons des vies compliquées. Et Jésus dit lui-même, « Vous devez devenir comme des enfants. » Et de quoi parle-t-il? Vous devez comprendre le concept d'être simplement un. Être un, pas devenir un avec, mais être un. Être un dans votre personne. Simplicité? Simplicité, oui. Et ce que ça veut dire, c'est que pendant que nous étions assis ici, vous avez pensé à ça et à d'autres choses, et que vous le sachiez ou non, vous avez fait des distinctions dans votre pensée. Bonne chose, mauvaise chose, je vais le tuer. Non, je ne le ferai pas. Je vais rentrer chez moi. Non, je ne le ferai pas. Ce n'est pas de la simplicité, c'est un débat constant qui se déroule dans votre esprit. Devenir simple signifie devenir capable de dire fiat à toute chose et de ne pas discuter avec, de ne pas juger, juste dire fiat, fiat. Volume 12. Je te veux toujours dans ma volonté. Je veux te donner la première place dans mon cœur sacramentel. Je veux sentir ton cœur battre dans le mien, avec mon propre amour et ma propre douleur. Je veux sentir ta volonté humaine dans la mienne, qui se multipliant en chacun, peut me donner en un seul acte les réparations de tous et l'amour de tous. Et je veux sentir ma volonté dans la tienne, qui, faisant mienne ta pauvre humanité, peut l'élever devant la majesté du Père comme ma victime perpétuelle. C'est là une déclaration puissante. Veuillez la relire plus tard dans la journée.
Il y a quelque chose que j'aimerais vous partager pour terminer l'histoire ici où nous allions avec cet exemple. Hier, Roger a dit quelque chose. Nous étions en train de parler avec des amis et il a dit quelque chose qui a vraiment retenu mon attention parce que je ne l'avais jamais entendu dire cela auparavant. Et j'espère qu'il était conscient de ce qu'il a dit quand il l'a dit. Il a dit, « La divine volonté n'est pas une religion. » Et vraiment, elle ne l'est pas. La divine volonté n'est pas une religion. La divine volonté est une déclaration ontologique. Vous vous souvenez, je vous ai enseigné ce que veut dire ontologie. L'ontologie, c'est l'étude de l'être, ce que signifie être. Voilà ce qu'est l'ontologie. Donc la divine volonté, c'est vous apprendre ce que signifie être humain. Ce que cela signifie d'être humain. Le contexte que Dieu nous a donné pour que cela puisse se réaliser, c'est l'Église catholique. Parce que l'Église catholique est la seule religion révélée qui existe. Dieu s'est révélé à nous dans le catholicisme. Sinon, nous n'aurions jamais connu l'histoire de Jésus. Son histoire n'aurait pas été perpétuée par l'Église à travers les siècles si Jésus n'était pas venu dans le monde et ne nous avait pas dit ce que cela signifie d'être humain, ce que cela signifie d'être divin. Dieu s'est révélé à nous. Il ne s'agit donc pas d'une philosophie, ce n'est pas une façon de penser. Si vous voulez faire ça, ben allez en bas de la rue, là, au centre de méditation bouddhiste. Y êtes-vous déjà allé? Je ne sais pas, il faut que j'y aille. Juste, vous savez, par curiosité. Pour s'y asseoir et faire comme ça pendant 3 heures. Je me suis toujours demandé, Père, la séparation, pourquoi c'est arrivé? Parce qu'Adam a été tenté... Non, je veux dire la séparation entre l'Église catholique et l'Église épiscopalienne. C'est à cause d'Henri VIII, qui ne voulait pas obéir au Saint-Père, donc il a fondé sa propre Église. Il faut donc vraiment devenir catholique pour vivre dans la divine volonté, car c'est le véhicule que Dieu a créé pour sa réalisation. Mais cela ne veut pas dire que... Je veux dire, que se passe-t-il si vous n'êtes pas catholique? Eh bien, si vous n'êtes pas catholique, vous ne pouvez pas comprendre ces concepts de multiplication, d'unicité et de multiplicité de Dieu. Car si vous n'êtes pas catholique et vous ne pouvez pas comprendre la présence réelle comme nous la comprenons. La présence réelle, c'est un morceau de pain, mais chaque fois que je le casse en 10 morceaux, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai 10 morceaux différents de Jésus? Non, j'ai 10 fois Jésus. Nous sommes les seuls à avoir ce concept. Et c'est à partir de la présence sacramentelle du Christ qui nous a laissé que nous avons pu comprendre la divine volonté et comprendre l'unicité et la multiplicité de Dieu. Et tout ce que je vous ai dit aujourd'hui vient de notre croyance en la présence réelle. Et vraiment, être catholique n'est pas comme choisir la meilleure religion ou en choisir une plutôt qu'une autre. La religion nous a été donnée pour que nous puissions vivre bien. C'est pour cela qu'elle a été créée. Toutes les religions nous ont été données pour que nous puissions vivre bien. Puis, elle est devenue un instrument de division. Et en fin de compte, tout ce qui reste, en ce qui concerne les 2 églises concernées, c'est la Sainte Église catholique romaine. Parce que c'est la seule qui a un niveau de continuité, une succession apostolique qui remonte jusqu'à Jésus. Quand j'ai été ordonné, d'où est venu le pouvoir? Des mains de Jésus. Et ce n'est que dans l'Église catholique que vous trouvez cela. C'est pourquoi je peux vous dire qu'il suffit de revenir en arrière et de superposer en les attachant votre premier acte du matin au dernier acte d'Adam qu'il a fait dans la divine volonté.
il n'y aura pas de rupture, parce que nous avons la compréhension de la succession apostolique. Ces réalités ne peuvent être expliquées que dans le cadre de la compréhension du fait d'être catholique. C'est pourquoi l'Église catholique, à la fin, sera la seule à rester. Et c'est aussi pourquoi elle doit devenir une Église souffrante, aplatie. Elle doit devenir un reste d'Église. C'est pourquoi les gens quittent l'Église catholique, parce qu'elle est le noyau solide de la vérité. C'est celle que le diable utilisera pour lutter contre Dieu. C'est celle que le monde essaiera d'anéantir. L'Église catholique viendra à la bataille finale comme étant la dernière entité régnante dans le monde que nous pourrons cibler, mais qui ne sera pas vaincue. Elle subira une défaite apparente à la fin, puis elle se relèvera. Toutes les choses seront réunies dans le Christ. Le Christ remettra le royaume au Père, et ce qui restera pour toute l'éternité est ceci, qui existe depuis toute éternité. Cela existait avant que nous nous asseyions ici ce matin, parce que ça a toujours existé en Dieu. Nous avons joué avec, nous avons eu affaire avec, et nous avons terminé nos vies et avons remis le tout là-haut. Maintenant, nous en faisons partie et ça continue pour l'éternité. Et tout ce qui est, c'est Dieu. Et tout ce que nous sommes est un en Dieu. Je voudrais vous faire comprendre pourquoi les catholiques ont été persécutés. Ils l'ont toujours été et c'est parce qu'ils sont porteurs de la vérité. Et le point qu'il faut retenir, c'est que la divine volonté, ce sont des instructions pour vous, des instructions pour la machine humaine, pas des enseignements religieux à proprement parler. Il se trouve juste que cela trouve sa réalisation dans le cadre de la foi catholique. Mais c'est une réalité ontologique. C'est pourquoi cela s'applique à toutes les créatures qui ont marché sur la surface de la Terre. Elles ont été soumises au même processus. Celles qui n'étaient pas dans la divine volonté ont dû refaire leur vie au purgatoire pour pouvoir entrer dans la divine volonté. Nous, nous avons aujourd'hui le grand avantage de pouvoir vivre le ciel dès ici-bas, maintenant. Sa volonté se fait maintenant sur la terre comme au ciel. Par conséquent, nous avons ce qu'on appelle le mérite divin. Nous pouvons mériter. Autrement dit, nous pouvons multiplier nos actes à l'infini, comme je le fais lorsque je célèbre la messe. Et c'est seulement grâce à cela que le reste du monde est autorisé à continuer d'exister. C'est grâce à vous que le monde continue d'exister aujourd'hui. C'est parce que vous multipliez vos actes à l'infini tout en les faisant un en Dieu. Et vous affectez chaque humain qui a jamais... On ne dit pas du premier au dernier catholique. Nous ne disons pas du premier au dernier chrétien. Nous disons d'Adam au dernier homme qui a jamais marché sur la surface de la terre. Parce que cela traite de la nature de la personne humaine, de l'individu. Cela s'adresse à tous les individus qui ont marché et marcheront jamais sur la terre. Ils doivent tous être soumis à cela. Et les termes que je vous ai donnés sont strictement catholiques. Parce que l'Église catholique est la seule qui a été préparée et disposée à dispenser le don de la divine volonté. Uniquement l'Église catholique. Eh bien, les amis, je voudrais que vous lisiez, s'il vous plaît, lisez la suite de ces extraits, parce qu'ils parlent principalement de la façon dont vos actes accomplis dans la divine volonté deviennent les actes de tous. Si je vous demandais de venir ici, que je disais, « Ok, c'est ici que vous avez déposé votre vie, Rosanna, venez ici et ressortez de là vos actes pour moi. » Pourriez-vous le faire? Non. Pourquoi? Parce que ce sont tous des actes divins, c'est tout ce qui peuvent être là-dedans. Alors non, là, c'est ma divine volonté, la seule volonté que j'ai. Et maintenant, ma volonté porte aussi tous vos actes, parce qu'ils sont tous là et que je ne peux pas les distinguer, parce que dans la divine volonté, ils deviennent tous saints d'une sainteté égale, parce qu'ils sont un en Dieu et qu'ils sont tous des vies divines. C'est dans cette condition que se trouvent tous les actes accomplis dans la divine volonté. C'est donc ce qui est en train de se former sur la terre maintenant que le don de la divine volonté a été donné.
Et cela ira jusqu'à la fin du monde. Et à la fin, il ne restera plus que un. L'un que Dieu est et qu'il a toujours été. Dieu a fait sortir de lui toute chose, il ramène toute chose en lui. À la fin, ce sera comme au début, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tout le monde a-t-il compris? Bonne chance pour me répéter. J'ai quelque chose à dire avant que nous nous arrêtions. Je veux juste vous rappeler que le père John travaille dur, dépense beaucoup d'argent pour les impressions et les choses comme ça. Comme aller au magasin de Noël pour se procurer des bébés Jésus. Alors, gardez à l'esprit avant de partir que nous avons un petit panier là-bas pour lui témoigner de votre reconnaissance au vu de tout ce qu'il fait. Parce que c'est un prêtre à la retraite et il n'a pas d'autre revenu que, vous savez, ce que nous lui donnons. Je suis aussi reconnaissant, les amis. Vous êtes généreux et j'apprécie vraiment votre aide. Merci. Vous êtes retraité? Oui, je le suis. Vous avez l'air en forme pour un retraité. Merci. Ok, écoutez les amis, à la page 6, je vous ai écrit une lettre ouverte. Je suis ici depuis 3 mois et je vous dis ce que je pense. C'est une bonne lettre, c'est juste que je vous aime tellement, vous savez. C'est bon de voir le groupe se consolider, de revoir régulièrement les mêmes visages. Et je travaille dur pour vous. Il y en a certains, comme vous le savez, qui venaient et ne viennent plus. Et comme je l'ai dit, c'est cela qui me brise le cœur, parce qu'ils ne veulent pas être unis à nous. Et ça ne peut pas exister dans le royaume. Et la seule chose que nous pouvons faire est de prier pour que Dieu, dans sa bienveillance, fasse en sorte qu'ils reviennent. Ce qui est la volonté de Dieu, j'en suis sûr. Donc, c'est juste une lettre d'appréciation et pour vous faire savoir combien je vous aime. Est-ce que tout le monde a une photo de moi à mettre sur le réfrigérateur ?